Je vous ai dit tout à l'heure qu'en Gata Dolikro, on travaillait de l'or depuis longtemps. Les chaises du roi et de la reine, qu'on appelle le Trossafoué, qui portent les bagages. Ensuite viennent les divers. Aounin Diéfoué. Les pagnes ont été tissées à Bomi et à Bakro. Bomi, à Bakro et à Sakassou. Le tissage est une des spécialités de la région de Thiébissou. Les masques ont tous été sculptés à Grogo. Et la sculpture n'est donc pas en reste à Thiébissou. Bon. Merci beaucoup. L'imam indique à l'empereur que le soleil est très haut. Il est temps pour l'empereur de se lever et de se tourner vers la Mecque. Il se lève avec la cour. L'islam aura permis à l'empereur Kakou Moussa d'inscrire le nom du Mali sur la carte du monde et de le faire connaître au-delà des mers, dans le monde arabe et en Europe. Et les historiens retiennent de lui l'image de l'une des plus belles figures de l'histoire de toute l'Afrique noire, entre le 12e et la fin du 16e siècle. Paix sur le Mali, paix sur le peuple du Mali, que vive l'empereur El Hadji Kakou Moussa. Acceptez-moi dans la maison de Zoulou, devenez un père pour moi. Nous t'accueillons avec joie dans notre maison à Noumamba Sato. Sois une fille pour nous et nous serons un père pour toi. Amakanzi Tomazato. Goudouille Kodi. Oye Momiano Masolo. Obia Moyezi. Oye Bensola. Ute Sebuya. Tamsaba Isomo. Wanziata. Samama Sengela. Okulumetache. Wazewa Tilwanye. O même sorte. Mukana Busola. La Mansale Boulou. O même sorte. Yepoube Simamchao. Obe Miaozite. Obe Litoche. Dibwe Mamchao. Yepo la Musola. Umam Kanga Bokiga. Wawun Kanga Ni. Nous voulons du riz. Et maintenant, sacrifiez les taureaux. Et on emporte les taureaux pour le sacrifice. Et pour clore les festivités, voici le groupe international Zoulou, Izzy Tombi, Zézé Mangé, Mangé de Soweto.
Amadou Ebioso et l'animaga, l'annonciateur des événements. Au son du gong, transporte la victime au couvent. Devant la cour, en lien du Oumbono, le grand prêtre. Thank you.
sacrifice de Sia et de la grande unité du culte du Ouagadou Bida. Et Kayamanga lui-même, Ghana de Ghana, roi des rois, empereur des empereurs, soleil des soleils, Kayamanga, maître de l'or, Tonka du Ouagadou, que le mauvais œil se referme. Prêtre de la forêt sacrée, Kayamanga a dit, fidèle à la parole donnée, le sort a désigné cette année Sia du clan de Yataberi. Honneur à leur descendance, honneur à la mère de Sia Yataberi. Non mais, je ne veux pas mourir. Non Sia ma fille, sache que ta mort n'est pas une mort comme les autres. Il faut que tu meures pour que vive le Ouagadou. Soyez maudits gens des Koumbi. Et vous, prêtres de la forêt sacrée, dignitaires du royaume, et toi aussi, Kayamanga, on dit que ton royaume n'a pas de frontières, qu'il va du nord au sud, de la terre au ciel, mais que ton or soit maudit, ainsi que ton règne. Ça suffit, arrêtez cet homme. Non. En ce qui concerne Cœur Falefou, je donne sa vie au prêtre de la forêt sacrée pour que ce qui a été dit s'accomplisse. Quant au père de Sia Yataberi, je lui donne l'équivalent en or du poids de sa fille. À la mère de Sia, je lui donne 18 esclaves et 18 hivernages pour que ce qui a été dit s'accomplisse. Ainsi va le monde de Kayamanga. De nombreuses tractations. L'intronisation de tout en Caton est acceptée par tous. Dans l'Égypte des pharaons, le couronnement était organisé avec faste. En outre, il était précédé d'une cérémonie d'intronisation dans le temple des dieux, véritable fondement du pouvoir terrestre du roi. Suivons celle du jeune prince tout en Caton dans le temple d'Amon à Karnak. Après le jeûne rituel et les purifications préliminaires, Toutankhaton est reçu au temple par des prêtres masqués. Le premier, le dieu Horus, à tête de faucon, le conduit devant le pylône bâti par son ancêtre Thoutmôsis Ier et lui confère son pouvoir. Dès cette intronisation, une cérémonie publique, similaire à la première, sera présentée devant les délégués de toutes les classes de l'Égypte. Généralement, ces cérémonies sont suivies de fêtes au cours desquelles le peuple rassasié de boissons et de victuelles chante les louanges du pharaon. Ces cérémonies s'accompagnent de déclarations de la part du pharaon. Horemeb, que tous les anciens esclaves deviennent des hommes libres chez leur maître. Haï, que les tribus soient au rabais dans toutes les régions nouvellement conquises. Reine, dame de l'Empire, je proclame le retour à l'orthodoxie harmonienne. Arrivés de partout, des gens restaient des journées entières à écouter les enseignements de Jésus et à admirer ses miracles. Un jour, un des apôtres prit la parole. Il dit à Jésus, « Mais maître, il se fait tard, il faut les renvoyer. Nous n'avons rien à leur donner à manger. » Il est inutile de les renvoyer. Donnez-leur à manger vous-même. Mais comment? Ils sont des centaines, peut-être même des milliers, et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mettez-les dans un panier. Tous les apôtres étaient réunis. Alors, un d'eux prit la parole. Nous sommes heureux de partager la Pâque avec toi. C'est pour cette Pâque que je suis venu en ce monde. En vérité, je vous le déclare. L'un de vous me livrera. Serait-ce moi, Seigneur? Celui qui plongera la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me trahira. C'est pas le baiser. Jésus là a trahi Jésus. Et la troupe s'emparait de Jésus. On l'amena devant le grand caïphe qui l'interrogea. Deux témoins se présentèrent. Chez cet homme, il a déclaré, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Au pied de la croix se trouvaient Marie et Jean. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas.
L'on a coutume d'entendre que le bétail est palabreux. Est-ce une réalité ou un préjugé? En effet, nous dirons d'entrée de jeu que non seulement c'est un préjugé, mais aussi et surtout une mauvaise approche que l'on fait de ce groupe ethnique. En fait, le bétail est un homme de vérité et d'honneur qui est prêt à se battre lorsque sa dignité est bafouée et surtout pour sa liberté et conquérir ce qui lui revient de droit. Mais qu'est-ce qui motive la guerre chez le bétail? Suivez donc avec moi, vous comprendrez. Messager de Rorogno et de Carigno, comme nous verrons de revoir sur les eaux sacrées du Crato, les terres de la rive gauche du Tétégbé appartiennent et appartiendront toujours à la tribu de Carigno. Alors, que personne ne se trompe désormais. Et oui, ces sages ne se trompent jamais, car ils tranchent toujours avec des preuves à l'appui. Toali, Boiseau, remettez ceci à Canignan et Lolognan, ces portions de terre mitière, Bidoko, et ces feuillages, Liban, sont des délimitations naturelles qui prouvent que les terres de la rive gauche du Tétégbé appartiennent à Canignan. Allez-y, que la provocation cesse. Paysans et paysannes peuvent ainsi vaquer à leurs occupations. N'empêche, les guerriers, eux, s'entraînent et éruptions. Grand maître Carigno, je sais qu'il n'est pas de mon droit en tant que femme de venir dans ce camp. Pendant que nous étions au Marigot, 4 000 soldats de l'Oignon sont arrivés. Ils ont enlevé Baron ta belle. Pourquoi? Que veut-il? Grand maître, l'Oignon n'a peut-être pas apprécié votre litige des terres de la dernière fois. Pourtant, tout est clair. Grand maître, il nous veut la guerre. Nous allons la lui offrir. Non, pas si vite. Reprenez. Canignan va-t-il déclarer la guerre à l'Oignon? Non, en pays bété, les choses ne se passent pas ainsi. Toali, va de ce pas accompagner de poule neveu. Qu'il dise à l'Oignon de libérer ma belle-sœur. S'il refuse, je ne répondrai plus de moi. En pays bété, le neveu joue un rôle très important dans les conflits entre le village de son père et celui de sa mère. Le Lognon, en prenant en otage la belle-sœur de Canignan, avait l'intention de déclarer la guerre.